En fait, Nelly est... Ah. Pareil, je vais répondre à ton commentaire, Nel, et c'est parce que... Bon, j'espère qu'on me connaît assez pour savoir que je ne pense jamais à mal ou quoi, ok, c'est que c'est jamais... Parfois, j'ai l'air un peu brusque, mais c'est jamais à tort. Quand on me dit que c'est pas facile, en fait, je vais te dire que tu te trompes. Si, c'est facile. C'est facile et c'est même extrêmement simple. Il n'y a rien en fait de plus simple, je trouve. Enfin, aussi, il y a des choses plus simples que de s'habiller, mais c'est très simple de se vêtir, c'est très simple de s'habiller et c'est très facile de ne pas se cacher. Tu sais, c'est au quotidien, peu importe qu'on fasse une taille 48, 50, 62, 70, enfin, tu vois, on prend de la place dans l'espace public, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, on prend de la place. C'est quoi qu'il arrive, la place qui nous revient, c'est notre corps, c'est qui nous sommes de l'espace, bah c'est comme ça. Donc on prend la place dont on a besoin et dont nécessite notre corps. Voilà. Donc une fois que tu prends de la place et que tu es de toute façon plus large que la moyenne, tout le monde te voit. Enfin, tu vois, et encore, tu peux te fondre dans la masse aussi, hein, mais tu es remarquable en fait quelque part. Et après, c'est à choisir. Tu veux être remarquable de quelle manière en fait. Tout se trouve là. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent que la mode, c'est un peu aussi un moyen de communication et un moyen d'exprimer sa personnalité. Et pour être totalement honnête et en essayant d'être un petit peu objective, non, c'est pas objectif, ça peut pas être objectif. Je dis n'importe quoi. Moi, dans la rue, tu vois, et ben. Si je regarde des femmes, et notamment enfin, des femmes grosses, parce que je m'attarde plus souvent sur des femmes grosses, parce que je vais regarder leur look, etc. Et ben tu vois, une femme grosse qui est bien sapée, comme ça, truc machin, je suis là, et moi je suis là, tu vois, dans ma tête, je suis comme ça, je lui dis go girl, tu vois, continue, c'est parfait, tu vois, c'est bien à voir, c'est inspirant, c'est chouette. Et si je vois une femme grosse, en fait, qui est là, tu vois, et ben, toute cachée dans ses trucs et tout, j'ai un peu de. Et c'est pas péjoratif, mais en fait, j'ai un peu de pitié, tu vois. Il y a même des femmes, des fois, j'ai envie d'aller les voir et de leur dire, mais viens, en fait, viens, je te ramène avec moi. Et puis, viens, t'inquiète, on va changer tout ça. Et puis, ça va aller. Et puis, tu vas être heureuse. Et puis, tu vas le montrer parce que ça en fait partie aussi. Enfin, pour moi, les vêtements, c'est pas juste des bouts de tissu. Tu vois, moi, je vois ça vraiment comme une pleine expression de soi-même. Donc, quand je vois quelqu'un qui est caché, etc., en plus, et je le pense profondément, j'ai envie de leur dire, mais tu pourrais être tellement plus belle en fait et encore plus mise en valeur avec mais d'autres tenues tu vois et donc enfin je trouve ça dommage et je reviens aussi c'est facile parce que si c'est facile dans le sens où il suffit de le décider en fait il y a des choses dans la vie surtout quand ça nous concerne nous-mêmes qu'il n'y a pas d'autres intervenants je veux dire ça c'est chacune de nous on s'habille tous les matins enfin tu vois c'est pas enfin, je suppose que c'est pas votre mari votre compagne enfin je ne connais pas votre vie qui vous apporte vos vêtements alors tiens tu mets ci tu mets ça et puis ça y est salut bonne journée non on choisit nos vêtements donc c'est nous qui faisons ça donc en soi c'est facile de choisir autre chose voilà et d'essayer d'autres choses voilà.